Bonjour, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Il n'est pas allumé. Oh, top. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue, chers invités, chers membres, chers compatriotes, chers Mauritaniens. Bienvenue à cette conférence. Donc comme vous le savez, c'est dans la continuité de ce que nous faisons, de ce que nous voulons faire, de nos objectifs de l'Association des Mauritaniens de la Nouvelle-Aquitaine. Donc nous voici encore une fois réunis ce 27 janvier 2024 pour une conférence sur l'environnement que notre ami, frère, compatriote, membre, Monsieur Sow Mohamed, Docteur Sow Mohamed va nous présenter. Donc je ne vais pas être long parce que le temps est décompté, donc je vais juste vous remercier d'être présent et de vouloir partager ce moment avec nous. Donc amenant, et comme vous le savez tous, hein, donc on est en train de faire des activités, on compte sur vous pour être présent, nous donner vos idées, vos suggestions pour réussir à bien notre mission, renouer le lien entre Mauritaniens et faire des actions concrètes. Et nos objectifs sont d'ordre culturel, d'ordre économique, d'ordre sportif et d'ordre de solidarité, d'entraide. Avant de donner la parole au secrétaire général, je vais juste rappeler notre objectif phare qui est celle de mettre en place un consulat à Bordeaux. Donc je vais donner à Ben, pour que Ben, le secrétaire général Youssouf, pour qu'il nous donne un petit mot avant de donner la parole à Cheibani Marega qui modérera la conférence. Comme l'a signifié le président, nous sommes là aujourd'hui pour honorer un de nôtres, à savoir Dr Sow, de par son article qui est apparu dans une revue assez prestigieuse d'un point de vue scientifique. Et c'est organisé par AMNA. AMNA, c'est justement ça aussi, c'est honorer les nôtres, ceux qui se distinguent de par leur intellect, qui n'est pas que culturel, sportif ou autre. On ne va pas être trop long, nous sommes là pour écouter Dr Sow et nous présenter un peu le travail qu'il a effectué. Et tous ensemble, après, on verra tout ce qu'on pourra faire pour justement la réussite de cette journée. Merci beaucoup. Je reprends juste un petit mot. Bien préciser que cette conférence est en co-organisation avec l'association Actum de notre frère Ibrahima Anne. Il a eu la gentillesse de faire les démarches pour nous trouver cette salle. Nous lui remercions pour cette collaboration et la disponibilité, son engagement auprès de notre association AMNA. Bonsoir, chers tous. Donc, c'est au nom de l'association AMNA que nous sommes là ce soir. Et comme l'a rappelé le président, l'association Actum du frère Anne. Donc nous sommes là ce soir, c'est pour présenter notre frère Sow, qui nous a donné le privilège de venir, qui va nous instruire en tout cas sur le brillant article qu'il a eu à publier et qui est apparu sur une revue scientifique prestigieuse. Donc, Dr Sow Mohamedou n'est plus à présenter. Il a soutenu sa thèse en 2011 sur la modélisation des données environnementales. Donc, il était au labo de l'IMR époque. Donc, ce jour-ci, le 27 janvier 2024, il va nous instruire sur les impacts environnementaux et sanitaires du mercure en Afrique. Il va notamment nous parler de l'orpaillage. Il va nous parler, entre autres, de la contamination de l'eau. Vous le savez tous, les questions environnementales sont désormais au cœur de l'actualité mondiale et notre chère région, la Mauritanie, n'en échappe pas. Nous sommes au mois de janvier, vous voyez vous-même, chacun peut le constater à son niveau, que les températures sont quand même élevées. Donc, sans plus tarder, on va essayer de donner la parole à M. Sow. Comme ça, il nous fera l'exposé de son sujet, et au final, comme ça, on essaiera de prendre des questions dans le public et il nous instruira en tout cas sur le sujet. Je vous remercie. Je remercie AMNA, une association que je vis naître et que je vis aussi poser ses premiers actes. Et je tiens à saluer l'immense travail qu'ils ont déjà accompli en si peu de temps.
Je vous remercie aussi d'être venus si nombreux. Je remercie aussi Cheibani d'avoir accepté d'assurer la modération. Parce qu'en fait, j'avais sollicité un collègue qui devait être là. Et malheureusement, il y a 3 jours, il m'a dit qu'il ne pourrait pas. Et Cheibani a accepté gentiment d'en assurer la modération. Et je viens tout juste de lui parler de mon exposé. Donc voilà, mon sujet aujourd'hui, il porte sur l'impact environnemental et sanitaire du mercure en Afrique. Donc qu'est-ce que le mercure ? Le mercure est généralement considéré comme l'un des métaux les plus toxiques rencontrés dans l'environnement. Il se trouve sous 3 différentes formes. Donc il y a la forme élémentaire, et il y a la forme inorganique, et il y a le mercure organique. Donc dans l'environnement, il y a certains organismes aussi, donc des bactéries ou des processus naturels, donc qui transforment une forme du mercure en une autre forme. Et en 2021, donc le mercure serait dans le monde donc la cause de 250 000 cas de déficience intellectuelle par an, principalement liés à l'ingestion de fruits de mer. Donc le mercure élémentaire, donc sous sa forme et sous la forme d'un liquide argenté reluisant, donc qui émet des vapeurs incolores et inodores, donc à la température ambiante. Donc c'est le mercure qui est utilisé par les orpailleurs, puis les forgerons aussi chez nous. Donc les propriétés uniques du mercure élémentaire, comme sa conductivité et son coefficient d'expansion, le rendent utile pour une profusion d'utilisation. Donc notamment il est utilisé dans les thermomètres, dans les thermostats, les lampes à fluorescence, des amalgames dentaires. Donc pourquoi représente-t-il un danger pour l'environnement et la santé? Donc les composés du mercure peuvent être très toxiques, même à des faibles concentrations. Et la nature toxique du mercure est liée surtout à sa bioaccumulation. Donc le mercure se dégrade peu dans l'environnement et il s'accumule durant tout au long de la vie de l'animal. Par exemple ici dans le cas du poisson, et c'est un métal qui se dégrade peu dans l'environnement. En aval de la chaîne alimentaire, nous pouvons avoir des concentrations assez élevées. Donc du plancton donc aux poissons, aux oiseaux et arriver à l'homme qui est au bout de la chaîne alimentaire. Donc les sources d'émissions du mercure, nous avons plusieurs sources naturelles qui émettent le mercure dans l'air, dans l'eau, le sol. Donc parmi celles-ci, nous pouvons noter les éruptions volcaniques, les zones géologiques riches en mercure, comme en Guyane française, les incendies de forêt et les inondations. Donc ici, une roche où on voit du mercure. Nous avons aussi des sources naturelles. Donc le mercure est émis par des vastes gammes d'activités humaines, donc des sources anthropiques, donc qui sont surtout la combustion de charbon, l'orpaillage, donc nous allons développer dans cet exposé, l'exploitation minière et l'industrie des piles, la production de ciment, l'incinération des déchets municipaux et médicaux. Donc la collecte et l'incinération des déchets, donc c'est un des défis aussi majeurs pour des villes durables en Afrique, qui pourra être l'objet d'une autre conférence. Donc la majorité des contaminations associées au mercure donc, proviennent des activités anthropogéniques donc, liées à l'activité de l'homme, telles que l'extraction de l'or, les activités industrielles et l'élimination de déchets. Donc deux formes de contamination peuvent affecter la santé des populations locales, donc l'inhalation des vapeurs. Donc ici, sur cette image, nous voyons un enfant du Burkina Faso qui est dans un puits d'extraction d'or. Et aussi l'ingestion de poissons présentant de fortes teneurs en méthylmercure. Donc le méthylmercure est la forme la plus toxique du mercure. Donc c'est la forme organique. Comme j'ai dit tantôt, il y a des processus biologiques qui transforment une forme de mercure en une autre. Et le méthylmercure, donc c'est la forme organique qui est la plus toxique. Donc la toxicité du mercure organique, donc il peut conduire à des
a des lésions au niveau du cerveau, donc perturber le champ visuel. Donc lui, le comportement, la coordination des mouvements, des tremblements et des picotements. Aller jusqu'à l'intoxication mortelle quand on inhale le produit. Donc le mercure et la santé humaine, donc les différents signes cliniques. Donc ici, on peut observer à partir de 5 à 10 mg par kilogramme. Ici, donc, on a des altérations visuelles, sensorielles et motrices. Donc à partir de 10 microgrammes par kilogramme, donc, nous avons des mouvements désorganisés sur le test de coordination, des fourmillements et enfin la maladie de Minamata. La maladie de Minamata, qui porte le nom de la ville au Japon, où il y a eu cette catastrophe écologique, donc où tout un écosystème, donc des milliers de personnes humaines ont été empoisonnées par des effluents industriels rejetés, rejetés pendant 30 ans par une usine d'engrais chimiques, donc le Shiso, implanté dans la baie de Minamata. Donc la première maladie a été observée en 1941. Donc ce que nous pouvons retenir, donc surtout ça sera l'objet aussi de notre documentaire. Donc le bilan en 2009, il y a eu 2955 décès, dont 10 000, il y a eu 10 000 personnes indemnisées par la société. Il y a un excellent film d'André Levitas, dont Johnny Depp a joué le rôle de William Engen, donc le journaliste qui a rendu célèbre la catastrophe écologique à Minamata. C'est un excellent film que je vous recommande vivement. Cette catastrophe a donné aussi la naissance à la convention de Minamata, où 128 États donc, ont exprimé leur volonté de ratifier la convention afin d'interdire progressivement l'ensemble des rejets et émissions anthropiques du mercure sur leur territoire. Il y a quelques mois, donc en octobre, du 30 octobre au 3 novembre 2023, il y a eu la cinquième conférence des parties de la convention de Minamata, le COP5, où les pays ont adopté une vingtaine de résolutions pour continuer à protéger la santé humaine et l'environnement des effets nocifs du mercure. Donc les objectifs donc, est d'interdire progressivement des produits contenant du mercure, des obligations en lien avec les activités d'extraction de mercure, des mesures sur l'usage, le commerce, les émissions et le traitement de déchets contenant du mercure. Donc sur ce graphique, nous pouvons observer l'envolée du cours de l'or qui a été multiplié par 4 entre 2003 et 2013. Donc cet envolée a entraîné la ruée vers l'or sans précédent en Afrique, surtout dans la bande sahélo-saharienne. Donc ici, nous pouvons bien observer sur cette bande. Donc le boom, il a commencé en 2012 au Soudan, donc avant de gagner le Tchad, puis le Niger en 2014 et enfin la Mauritanie en 2016. Donc l'augmentation des activités d'orpaillage en Afrique a entraîné des rejets de mercure en grande quantité dans l'environnement. Nous pouvons noter quand même quelques bénéfices. Parfois conflictuel et difficile à réguler, la prospection permet toutefois de dynamiser l'économie. Certains individus ont fait fortune et réinvestissent leur argent dans le pays. C'est surtout ce qui tourne autour de la chaîne de valeur autour de l'orpaillage, c'est-à-dire les commerçants qui achètent de l'or et qui le revendent, ou ceux qui vendent des détecteurs, ou tous les commerces qui sont autour qui arrivent peut-être à en profiter, mais rarement les orpailleurs. L'orpaillage détourne aussi les habitants d'autres activités potentiellement déstabilisatrices pour les gouvernements. L'orpaillage occupe la population et crée des emplois directs et indirects pour approvisionner les villes nées de la riée. Il faut aussi du transport et du commerce. Donc l'extraction de l'or, nous avons aussi des risques. Donc l'extraction de l'or formelle, si certes elle contribue à la croissance des pays africains, donc la faiblesse
de la réglementation qui encadre l'orpaillage implique des risques qui dépassent les bénéfices à court terme. Par exemple, là, nous pouvons observer, par exemple, il faut 1,3 kg de mercure pour extraire 1 kg d'or. Vous voyez la quantité qu'il faut qu'on rejette dans l'environnement pour avoir au moins juste 1 kg d'or. Aussi, il y a la destruction et assèchement des sols. Donc, 2 750 000 litres d'eau pour 1 kg d'or extrait. Donc, au plan social, l'orpaillage entraîne aussi d'importants risques. Donc, la corruption, violation des droits humains, travail des enfants, travail forcé, violence sexuelle, blanchiment d'argent, financement de conflits, non-paiement des taxes, prostitution. Nous avons observé aussi de la prévalence des maladies sexuellement transmissibles dans les sites d'orpaillage. Les sites d'orpaillage sont régulièrement aussi le théâtre d'éboulements meurtriers, l'activité étant dangereuse. Il y a juste une semaine, le 19 janvier, je crois, à l'ouest du Mali, il y a eu l'effondrement d'une mine qui a provoqué la mort de 70 orpailleurs. Et en février 2022 aussi, l'explosion d'un stock dynamique, je crois qu'au Burkina Faso, a fait 59 morts. Sans oublier aussi le travail des enfants qui sont déscolarisés et qui travaillent dans les mines pour aider leurs parents. Il y a aussi des menaces sécuritaires. Les zones aurifères sont souvent source de tensions. Fin 2018, de violents affrontements ont opposé l'armée tchadienne aux orpailleurs. Donc l'armée tchadienne a dû même bombarder un site pour évacuer les orpailleurs. En 2020, c'est un bureau de police de Chami. Chami, c'est la ville où il y a eu la première ruée vers l'or en Mauritanie. Donc, le poste de police a été livré aux flammes par des orpailleurs protestant contre le système de taxation. Plus récemment aussi, en janvier 2021, des tensions ont eu lieu sur la zone frontalière avec le Maroc, opposant les orpailleurs et les forces armées marocaines. Donc là, il y a un article là, que j'ai hier, il est paru hier, donc le 26 janvier 2024, où le gouvernement mauritanien met en garde l'orpailleur pour qu'il ne s'aventure pas dans la zone tampon. Parce que je crois que le 3 janvier aussi, il y a eu 4 orpailleurs qui ont été tués par l'armée marocaine. Donc, à défaut de pouvoir l'interdire, il y a certains pays qui essaient de le réguler, afin de l'intégrer dans leur stratégie de recherche de rente. Donc, l'État mauritanien a essayé de l'organiser en créant la société Maaden, qui est chargée d'organiser la pratique de l'orpaillage, aussi en créant des systèmes de licences. Je crois parmi les pays africains, je pense que le projet le plus avancé, c'est au Soudan, où ils ont réussi à créer des raffineries. Et il va où tout ce or qui est exploité dans cette bande sahélo-saharienne. Donc cet or se retrouve à Dubaï, qui est devenue la capitale de l'or. Dubaï, Beyrouth, Bombay, en Inde. Donc pour atténuer et prévenir ces incidences néfastes pour l'homme et l'environnement, des mesures non exhaustives suivantes peuvent être envisagées. Campagne intense de sensibilisation des artisans sur les risques et dangers sur l'utilisation sans protection ni précaution du mercure. Le port obligatoire d'équipements de protection, masques, gants, au niveau des centres de traitement du minerai pendant les opérations d'amalgation. Donc, amalgation, c'est le mélange du mercure. Donc, ils prennent la roche, ils vont la broyer, ils vont rajouter du mercure pour créer un amalgame et rajouter aussi des quantités d'eau pour faciliter le traitement. Et une fois réussi à mobiliser cet amalgame, ils vont le chauffer à une température très élevée pour récupérer l'or.
Aussi donc la réglementation, l'achat, le transport et l'utilisation du mercure sur l'ensemble des sites d'orpaillage en activité. Donc maintenant, je vais vous présenter quelques résultats de notre article qui est paru dans Marine Pollution Bulletin. Donc le but de l'étude était d'évaluer les concentrations de cette espèce pélagique, c'est-à-dire qui vivent en haute mer. Donc c'est des espèces aussi qui sont les plus consommées et commercialisées dans le monde. Donc la relation entre l'organotropisme du mercure et le régime alimentaire. Donc c'est l'organotropisme, donc c'est-à-dire comment, en fonction du régime alimentaire, comment le mercure se distribue dans les organes. Puis enfin, le risque lié à la consommation de différentes espèces. Donc la Mauritanie est l'une des régions les plus poissonneuses au monde, donc grâce à un écosystème littoral exceptionnel, le upwelling, qu'on peut traduire en français par résurgence, donc qui correspond à la remontée des eaux du fond, qui remonte avec beaucoup de nutriments et qui fait que cette zone a une richesse qui devient un hotspot de biodiversité très riche. Donc sur ce graphique, je vais quand même essayer de le montrer, c'est un article qui est paru en 2014. On voit sur cette zone, le upwelling, donc il est permanent, c'est durant toute l'année. Par rapport à ici où il est un peu faible, mais ici sur cette zone, on a cette remontée d'eau froide, qui des profondeurs qui ramène beaucoup de nutriments, qui fait que cette zone est très dense en biodiversité marine. Nous avons profité d'un projet norvégien qui parcourt toute l'Afrique, envie d'évaluer les stocks de poissons. Donc quand ils sont passés en Mauritanie, j'ai un collègue qui travaille à l'Institut mauritanien de recherche et de pêche océanographique qui a intégré cette mission et qui a échantillonné sur 5 points. Sur ce graphique, nous voyons les différents sites où il a effectué des échantillonnages, où il a prélevé le muscle et le foie. Donc sur ce graphique aussi, on peut observer la ville de Chami, qui est là où il y a la rivière vers l'or. Et il y a le parc Bandarguin aussi qui est juste à côté. Donc le parc national Bandarguin qui a été classé comme patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1989. C'est un parc qui joue aussi le rôle de nourserie donc pour les poissons et d'oiseaux du monde entier, qui viennent se reproduire dans cette zone. Donc, au début de l'étude, donc, nous avons fait une étude bibliographique en essayant de classer les régimes alimentaires des différentes espèces en fonction de l'importance de certains proies, par exemple, ceux qui mangent du poisson, ceux qui mangent du plancton, ceux qui mangent du crustacé. Et aussi, donc, sur ce tableau aussi, nous avons la biométrie, donc, c'est-à-dire la longueur des poissons a été mesurée, le poids des poissons et le régime alimentaire. Donc l'objectif, c'était de voir est-ce que le régime alimentaire influençait l'accumulation du mercure. Parce qu'en général, donc, comme j'avais montré la bioaccumulation en fonction de l'âge du poids, la taille, le poisson accumulait plus de mercure. Donc sur le premier graphique, on voit la distribution du mercure des différentes espèces en fonction de la longueur. Donc ici, nous pouvons observer que les deux plus grands poissons, donc sont, je ne sais pas si c'est bien visible, il y a Scomber coleus et Tracheus treca. Donc c'est les deux plus grands poissons. Mais sur le graphique à côté, donc on a la contamination du mercure. Donc les plus grands poissons ne sont pas forcément les plus contaminés. Surtout le... Donc Scomber coleus, donc c'est le deuxième plus grand poisson. Et au niveau de la contamination, ici, donc ici nous avons la longueur des poissons. Et ici, nous avons la contamination en mercure au niveau sur le muscle.
Donc nous avons ce poisson-là qui est le deuxième plus grand poisson, mais au niveau de la contamination, il est le moins contaminé. Plus contaminé, donc c'est celui-là, Oxys rocher. Donc si je reviens sur le tableau d'avant, on peut observer, par exemple, lui, son régime alimentaire est constitué de poissons, de crustacés. Donc c'est un poisson piscivore, donc du coup il accumule plus de mercure. Et tous ces poissons-là, c'est des poissons qui se nourrissent du plancton. Et du coup, ils ont une faible accumulation du mercure au niveau du muscle. Nous avons aussi regardé comment le mercure se distribuait au sein des différents organes que nous avons analysés, le muscle et le foie. Donc ici, nous avons le muscle en blanc et le foie ici en gris. Donc il y a ces trois espèces qui sont des carnivores. Ils ont des concentrations au niveau du muscle qui est plus importante qu'au niveau du foie. Et les espèces qui se nourrissent plus du plancton ou du zooplancton ont des concentrations au niveau du foie qui est plus importante qu'au niveau du muscle. Donc ça veut dire surtout que les espèces, ces trois espèces se nourrissent à un niveau élevé de la chaîne alimentaire et que celles-là se nourrissent au bas de l'échelle de la chaîne alimentaire, donc du plancton, du phytoplancton. Donc il y a moins de méthylmercure qui est la forme la plus toxique du mercure. Notre étude apporte de nouvelles informations sur l'accumulation et la distribution du mercure dans différentes espèces de poissons dans la zone exclusive économique mauritanienne et son lien avec le régime alimentaire. Les concentrations dans les différentes espèces sont très faibles et aucune valeur ne dépasse le seuil limite de la consommation. Parce qu'en fait, nous avons échantillonné sur la zone exclusive, donc il n'y a pas d'activité d'orpaillage ni aucune activité industrielle. Du coup, on pense que ce mercure, ça doit être un mercure qui est une source naturelle du mercure. Donc l'accumulation et la distribution de mercure chez les espèces de poissons donc, dépendent du régime alimentaire. Les concentrations de mercure dans les muscles sont plus élevées chez les poissons carnivores que les poissons omnivores, à l'exception donc, de Scomber coleus, suggérant une bioamplification du mercure le long de la chaîne alimentaire. Donc ce poisson Scomber coleus, il fallait trouver l'explication pourquoi il était vraiment moins contaminé et on a fait beaucoup de bibliographies. Du coup, c'est un prédateur, mais il est opportuniste. Et en fonction des saisons, il change aussi de régime alimentaire. Mais vu qu'il est dans une zone où il y a le upwelling, donc une remontée des nutriments, et il se nourrit plus du phytoplancton, mais par contre, en été, il peut se nourrir du poisson ou autre crustacé. Et donc, en fonction du saison, il change de régime alimentaire. Donc, des différences significatives ont été observées entre les concentrations de mercure dans le muscle et le foie. Donc, pour conclure, la présente étude est, à notre connaissance, donc la première à avoir quantifié la distribution du mercure au sein des organes, donc muscles et foie d'espèces pélagiques qui vivent en haute mer, donc le long de la zone exclusive économique mauritanienne. Donc d'autres études sont nécessaires afin de comparer les niveaux de contamination des différents sites étudiés et de voir si les sites à proximité d'activités anthropiques telles que l'orpaillage ou les activités industrielles sont plus contaminés et de surveiller leur impact sur la santé humaine. Donc les données fiables sont indispensables pour réfléchir au devenir des écosystèmes marins et certaines incertitudes devraient nous inciter à appliquer le principe de précaution et de protéger les écosystèmes. Donc l'Afrique doit veiller et contribuer à assurer la santé et le bien-être de sa population en réduisant l'exposition humaine au mercure. Je vous remercie de votre attention.